On est sur Assassin's Creed Mirage. Et on est la suite de la VOD d'avant sur Assassin's Creed Mirage. Je venais de faire une quête dans une prison, je me rappelle. Et on avait libéré un type que je sens pas du tout. Hein. Moi, le type, je le sens pas du tout. Et maintenant, on est vachement connu parce qu'on a un peu buté tout le monde dedans. Ce qui est bizarre parce que quand tu tues quelqu'un, il peut moins parler de toi. Et du coup, faut qu'on réduise notre notoriété. Il faut qu'on trouve des coffres un peu. Et il fallait que je fasse aussi un truc, que j'améliore ma tenue. Là, j'ai une tenue tétontière. Oh, le téton. Mais le truc, c'est que je peux l'améliorer. Il faut que je trouve comment. Voilà, en gros. Est-ce que le son du jeu est un peu bas? Je l'avais un peu trop baissé, peut-être. Je vais mettre plus fort. Je mets assez fort et puis on verra. Peggy 18. Oh, j'ai une nouvelle... Pourquoi? Mais non, c'est un téton. Ça va, Peggy 16. Le jeu est trop beau. Le jeu est beau. Le jeu est beau, agréable à parcourir. Voilà, ça déjà c'est un bon point parce que c'est ce qui m'intéressait beaucoup. J'ai une tablette bouddhique. Elle est en just bouddhique. Tablette ornementale employée lors des cérémonies afin d'offrir des prières et d'exprimer sa gratitude. Excusez-moi, je suis encore énervée de tout à l'heure, l'histoire que je vous ai racontée là. Celle-ci a été fabriquée en Chine sous la dynastie Tang. Elle est ornée de nombreux bouddhas. Ces tablettes étaient déposées dans les grottes sacrées sur les autels en témoignage de mérite. Cela pour intéresser Dervi, apportez-le à son receleur. Non. Oh, je peux améliorer mon épée d'Alamut. J'ai clé de la prison de Damas. Toujours les clés. Attendez, l'épée, c'est celle que j'ai sur WAM? Ah, j'ai fait des quêtes, ça c'est super. Attendez, où est mon inventaire? Mon épée. Épée d'ici d'Alamut. Bah, je peux l'améliorer. Faut que j'aille chez un forgeron. On va aller chez un forgeron. Il est en ultra. J'ai baissé 2-3 trucs. Je te montre. On est en... Alors, on est en ultra élevé environnement. Densité de fouillis, c'est en très élevé. Très élevé. Qualité de l'eau, je l'ai laissé en élevé parce qu'elle est jolie. Et que j'avais des petites chutes de FPS. Texture d'environnement, c'est en ultra. Texture des personnages, c'est en élevé. Il était à la base, la texture était en ultra... Non. Bah non, y a pas plus. Non, c'était un truc que j'ai baissé. Bah c'était ça, la qualité de l'eau peut-être. Non. Un truc que j'ai baissé. Ah! Les ombres, j'ai mis très élevé au lieu d'ultra. Et qualité des ombres, qualité des nuages. Parce que j'avais des petites chutes de FPS. Et de base, la densité du fouillis, je peux mettre en très élevé. Faut savoir que pour avoir tout vraiment full fluide et tout, moi j'ai une 3070, il conseille une 3080. Voilà. Franchement, le téton est banger. Hein. Je suis assez d'accord que le détail du téton... Regardez cette peau douce. Les abdominaux. Abdominaux. faut qu'on ait un forgeron et faut qu'on enlève des affiches de nous sur le chemin. Forgeron. Forgeron, il y en a un là. Donc c'est pas loin. Il y a un tailleur aussi. Il faut qu'on aille voir le tailleur aussi. Et on voit en bas à droite notre notoriété. On est à un œil sur 3 symboles différents, sur arc et épée croisée. Donc ça va, on a un peu baissé notre notoriété, mais faut qu'on la baisse plus. Sinon, souci. Sinon, bah après c'est la Paris Games Week. Le tailleur pour voir le deuxième téton. Salut Aku! Mais tu as changé, mais je me disais bien que t'avais changé de pseudo, enfin de formulation de pseudo. Je t'ai vu chez Sutan, je me suis dit, oh, mais Aku! Mais c'est mignon écrit comme ça, j'aime beaucoup. Comme ça, je peux dire Akiu. Comment ça va, Akiu? Punaise, le forgeron, il est démarqué. Parce que je suis passée devant, du coup, ça a enlevé le point. Attendez, il y a une affiche. On va aller vite faire l'affiche parce qu'elle s'affiche. Les affiches s'affichent sur la carte. Sur la carte, et on s'en fiche. Les affiches s'affichent sur la carte que quand je suis pas loin. Pas très ressemble. Voilà. Ah bah, c'est bon. Allez, je vous vole. Il faut savoir que Basim est avant tout un voleur. Ce n'est pas un assassin. Enfin, à la base, maintenant c'est un assassin. Mais il a plus... il est plus voleur pickpocket que assassin. Même si en vrai,
Là, pour le moment, on a tué vachement plus qu'on a volé, je pense. Non, je sais pas. Ça s'équilibre. Il est où le forgeron? On y est? Le forgeron, il est où? Il est là. Mais c'est où le... Ah, c'est ça? C'est toi, forgeron? Mais je suis tout pourri. Moi, je confie pas mon épée à toi, hein. C'est toi, forgeron? Mais tu passes le balai? Regarde-moi dans mes tétons et je te regarderai dans les tiens. Content de te voir. Mais il fait pas genre on se connaît, enfin. Voir la boutique. Puis-je voir tes marchandises? Jette un œil. Moi, je pense qu'il est pas du tout forgeron, mais il fait genre. Alors, améliorer, apparence. Non, apparence, on s'en fout. Moi, je veux améliorer mon épée. Je peux améliorer la lame? Tu peux améliorer la lame? Ah bah ça, c'est bien. L'attaque. Suivant une parade réussie, inflige 50% de dégâts. Faut que je pars un peu plus. Parfait. Mon Covid part, je crois. Et toi, Lox? Oui, ça va. Ça va, ça va. J'étais chafouine au début du live. Mais du coup, on a tous vidé notre sac sur les gens nuls qu'on avait croisés aujourd'hui ou à qui on avait parlé aujourd'hui. Et franchement, ça nous a fait du bien. C'est tout pour Voilà. Donc, n'hésitez pas hein, à vider votre sac. Ah, cute. Ah ouais, ça lui va trop bien. Aladdin, avant qu'il croise Jasmine, est le génie. Ouais, avant qu'il devienne chiant. Non, j'en sais rien, je m'en rappelle, très mal d'Aladin. Je voulais juste râler sur Aladin. Ok. Bonsoir, Débution Delphine, inspirée de... Oh non, ça commence! Comment tu vas, Bison Delphine? Est-ce que toi aussi, t'as croisé des gens à sup aujourd'hui? Si tu dis oui, ce chat, alors c'est une opportunisme de van intéressant, mais je vais un peu pleurer. Trop nul, les gens nuls là. J'avoue. Des fois, je leur dis, hé, les gens nuls, vous voulez pas être pas nuls? En général, ça me répond mal. Les campagnes nulles. C'est quoi un campagne nulle? Pourquoi je connais ça? Ah oui, il y a un truc, de un skin de campagne nulle dans Paya, de meubles. Ça veut dire quoi campagne nulle? Moi je connais les campagnols. Mais merde, descends, vas-y, je te promets, tu escalades super, mais... C'est toi, tailleur? La paix, mon ami. Bonjour. Oh, elle a fait pop sa bourse. On peut t'abourser tout le monde comme ça, enfin. Voici ce que je propose. Alors, je vais améliorer encore mon truc. De protection. Réduction des effets des actions. Là, voilà, les actions illicites, ça va faire que je serai moins connu. D'accord. Je peux, du coup, faire des crimes. C'est plus fatigant d'être nul que de pas l'être. Moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense être nul... Ce sera tout pour l'instant. C'est plus facile. Pour ça que les gens y choisissent, tu vois. Nous nous reverrons plus tard. Fais bon voyage, l'ami. Non. Voilà. Ça, on a fait. Maintenant, on est... Oh, il y a des poules. Attendez, je vais essayer de pète de poule. Oh. Il y a un âne. Les ânes non plus, je peux pas les carrosser. Oh, pardon, je te fais peur. Laisse-toi. Cache! Oh, un mouton! J'ai couché devant moi. Je fais quoi comme cascade? J'ai pas compris. Bon, allez, je vais à la quête principale. Dommage qu'on ait pas de musique. Je vais peut-être mettre un peu de musique un peu plus souvent. Là, il y a une... On a sur une fréquence de musique moyenne. On peut choisir la fréquence de la musique, ça, je trouve ça trop bien aussi. C'est con, mais c'est des petites options. Des petites remarques que je me fais souvent. Genre booster les dialogues. Je vais peut-être les rebooster d'ailleurs. Eh mais attendez. Attendez, je viens de remarquer un truc. Voyageurs. Les dialogues sont quand même moins forts, non? Hier, c'était un Delbor quand on était dans la... Là, j'ai mis le son à fond. Là, il est à fond. Le vendeur de dromadaires. Il vous proposera les meilleures bêtes de somme à avoir jamais... Oh punaise, les dialogues d'arrière-plan, je suis sûre que ça a été mis à jour, il y a beaucoup moins.
En tout cas, c'est beaucoup moins oppressant. C'est très bien. Je vais refaire le boost. Hop là, audio. Je vais refaire le boost de... des dialogues. Ah, parce que j'étais en dynamique audio de nuit. Je vais laisser. Fréquence de la musique, je vais mettre élevée. Ok, là, c'est bien. Le calife. Ah, le jeu, il est beau et je suis pas à fond partout. Il faut savoir que, bon, bah voilà, moi, je retransmets. Du coup, ça donne grade un peu. Il est super agréable, mais le plus beau, c'est quand on est dans les coins, je trouve... les coins un peu naturels, bon, parce que c'est ce que je préfère aussi, mais quand on est près de la flotte et tout. D'ailleurs, on avait une carte au trésor. Hein. Attendez, faut qu'on aille où? Faut qu'on aille tout là-bas. Bah, ça va être l'occasion d'explorer, c'est trop bien. Ça, j'aime trop ça. Oh, il y a un coffre de fou, là. Ah, dans la prison, il y a un coffre de fou que j'ai pas pris. Ça, c'est quoi? Ah, c'est un trésor, ça. Il y a une croix, ici. Oh, j'ai envie d'y aller. Ah, venez, on y va. Il y a un TP, là. On y va. On va au TP. On va à la croix. On va... Tac, 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 tac. Au coffre. Et go. Après, je me demande... Alors, j'y fais des bêtises, mais pour ceux qui veulent peut-être le tester sans avoir... sans se ruiner, il y a peut-être moyen de le tester en prenant le... l'abonnement... l'abonnement... Merde, j'ai synchronisé, je voulais pas. Bon, bah comme ça, on voit qu'il est joli, le jeu. L'abonnement au pass Ubisoft, peut-être. Ouais, t'as raison, c'est vraiment mieux que t'économises pour le moment. Tu as tout à fait raison. Qu'est-ce qu'on fout? Le jeu, ah c'est le jeu, c'est plus dur de passer une porte que de l'escalader. C'est vrai ça. C'est plus dur de marcher dans la rue que d'escalader un mur même. Ah pardon, excusez-moi. Désolée, j'ai pris le réflexe de foncer dans tous les gens que je croise. Je sais pas pourquoi. Je pète un câble, je pète un plomb je crois. Attendez, il y avait un truc là-bas. On y va. Routine. Mission pas Ubisoft, ouais, voilà. Quand j'avais joué à Valhalla, vu que je me doutais que soit j'y jouais un mois, soit il me plaisait vraiment, j'y jouais un mois, mais je pense que je n'irais pas trop au-delà, soit il me plaisait pas trop et j'y jouerais moins d'un mois, mais en tout cas, voilà, j'aurais pris le pass pour tester. Et du coup, c'est pas mal. Il y avait une croix ici. Qu'est-ce qu'on fout ici? Ah, c'est pas vraiment ici en fait. Je peux pas zoom aid. C'est plus en face. C'est plus par là. Ah, ici. Mmh. Ok. Ah non, mais c'est d'où je viens. Je me suis éloignée de fou. Ouais, je me suis éloignée de fou. Mais c'est quoi cette croix, en fait? Et où elle est exactement? Ah, elle est dans... Elle est en bas, la croix. Elle est dans un truc en bas. Ah, le puits, peut-être. J'arrive. Merde. J'arrive. Oh. Ça va? Ça va, hein. Le quoi dans le puits? La flotte. Merde. Tu veux mon avis? Merde. Le harem du calife est dépravé. Elle a fait des générateurs pour les courses, vas-y tout seul. Je crois que je vais... Nigné, femme dépravée, nigné. Bah non, mais alors il y a une croix, mais je ne sais pas à quoi elle correspond. Moi je pense que c'est le coffre. Ça? Le puits? En fait, on voit clairement qu'il y a juste de l'eau et elle n'est même pas trop animée. Donc, je suis pas sûr. Alex, regarde là-bas, il a croqué une pomme puis l'a jeté. Arrête, arrête, tu vas me tendre. Je vais être tendu, là. Tu entends sur... Oh, c'est là. Pas du tout. Je croyais qu'il y avait... Oh, à chaque fois, ils sont tous... tout est moustillé quand je fais des acrobaties, hein. Et je remarque que mon téton ne les laisse pas indifférents. Comme dans la vraie.
Non, bon, bah, je sais pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Quoi, j'étais pas tendue avant. Mais là, maintenant, je suis en tension, là. Téton. T'es tendu, Natacha. Arrêtez. Je suis pas Natachousse. T'es tendu. J'aime même pas comment il le dit, parce que je connais la ref, mais je me rappelle même pas de la réplique exacte. Parce que... Merde. Non, je glisse. Oh, mais il glisse. Eh, il glisse soigneusement, regardez. Attention, glissade. Oh, c'est tout soyeux. Attendez, je vais essayer. Je vais essayer de faire un tacle. Je vais tacler par derrière. J'ouvre la cage. Oh, mais d'accord. Ah oui, on est sur un endroit pas cool. Bon, il y a un coffre à prendre. J'y vais vite fait. J'ai mis des musiques plus fréquentes, mais... Ah oui, non, mais le problème, c'est qu'il y a des gardes. Attends, je déconne. Non, je déconne. Ça va. Petite escalade du matin. Quoi? Non, mais j'ai rien fait. J'étais juste là. Je vis, en fait. C'est ça, le problème? Excusez-moi de respirer. Ma manière de respirer, c'est d'escalader les murs d'une prison. Ça va. Bon, bah, profitons de la cohue. Comme une ombre en plein jour. Moi, je suis cachée dans mon buisson. Infiltration. La touffe d'herbe qui te cache. Elle me cache bien, regarde. Quoi? Tu veux voir que tu oses insinuer que peut-être je serais pas si bien cachée que ça? Regardez, même si... Attendez. Oh merde, j'ai le tab. Mais si je me mets IRL dedans, on me voit aussi pas. Voilà, je ne suis plus ici. Je suis dans le buisson. Je suis le buisson. Non, faut pas que je dise ça. Bon, c'est bon, on arrête, hein. On y voit que du feu. Gênant. Ah, la ferme. Arrêtez. Il est où le coffre? Oh, il est si long. Je me suis infiltré. Mais non, mais le coffre. Ah, mais il doit être en sous-sol. Alors, je suis obligée de passer par là, je pense. Oh, je vais devoir rebuter tout le monde parce que je l'avais pas pris la première fois. J'espère que ça lag pas. Si ça lag un peu, s'il y a des freezes, je peux faire un truc qui est ceci. Hop, 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 hop. Ah, mais faut que je récolte mes loot avant. Faut que je récolte mes drops. Moi aussi, je veux les drops de ma propre chaîne. Ah ouais, mais non, mais si je suis pas sur mon propre live, je vais pas récolter les drops. Oh, chiant. Je sais ce que je vais faire. Genre, je suis une génie. Voilà. Non, parce que je veux les drops quand même. Putain, je me trompe à chaque fois. Je fais gâchette gauche ou une gâchette droite. Bon, alors je m'infiltre juste pour un coffre. Mais tu es le cul. Non, ça j'avais déjà lu, on s'en fout. Ça j'avais déjà mangé aussi. J'ai déjà fait un peu tout ça. Alors attendez, le coffre est où? Mais je m'en éloigne! Qu'est-ce que c'est que ce bataquake là? J'ai pas un chemin qui me mène directement au coffre? Je n'ai jamais été là. Ouais, je suis pas là. Ah, c'est par là. Oh,
Nickel. Ah, il est là, le coffre. Oh, mais c'est pas par là que je vais pouvoir le... J'ai rien fait. C'est pas moi. Ah. Mais pourquoi t'es accroupi? Ah. Oh, des munitions. Caché. Bon. Viens avec moi. Merde, j'ai sifflé. J'ai sifflé, j'ai sifflé. Tu vas souffrir. Une minute. Mais je m'en éloigne de fou, putain. Mais il y a un coffre là-bas, alors c'est pas le bon, c'est celui-là. Ok, par là, je le sens bien. Ça fait mal aux yeux, la lumière. Pas la prison. Non mais ça va, ça va. Ça va être rapide. Ok, 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 ok. Où je peux passer? Par là, il semble rien. Ah, mais par ici. Oh! Une porte fermée? Désolé. Bon bah tant que j'y suis. Pas moi. Ah c'est l'entraînement. Ah non mais je suis trop loin, vas-y. Je me rapproche un peu là-bas. Hey, qu'est-ce qui se passe? Viens. Le coffre, il est juste là-bas. Mais je sais pas en, si c'est en haut ou en bas. Si c'est en souterrain ou si c'est en hauteur. Ou... Pourquoi tu tues pas tout le monde? Simple et efficace. Parce que faut pas que je sois trop connu. J'ai à peine de commencer le jeu. J'essaye presque de faire des trucs un peu bien. Allez, viens là! Ah, viens, 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 viens. Allez. Retour à l'endroit. Qu'est-ce qu'il vient? Repose à présent. Qu'est devenu ton flair? Oui, d'accord, tout le monde n'a rien à foutre. Désolé, personne t'aimait. Du coup, je te range dans le placard. J'aime bien ces nouvelles. Collecte, collecte. Mais ouais, il est en souterrain, j'en étais sûre. Mais comment j'y vais? Il y a une porte en bas, mais je pourrais pas y accéder. En fait, j'ai fait tout le tour pour absolument rien du tout. Timothée Chalamet. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu fais? Non, je fais rien. Descends! Il met trop de temps! Arrête ça! Gaspille ta salive. Une dalle. C'est bon. Le téton en prison.
Oh, punaise. Non, mais là, j'avoue. Mais en fait, le problème, c'est que... Il met du temps avant de faire chaque action. On se tire. L'armurier d'ici est à... Non, c'est pas moi. J'en ai marre! Faut que je trouve celui qui a la clé. C'est aucun de ceux-là. Escalade, s'il te plaît. Je siffle, mais je fais pas exprès. Allez, descends! J'essaie de le faire sauter, mais il veut pas! Oh, je peux passer par là. J'arrive pas à courir, comment c'est fastidieux. Oh, ils m'ont pas vu. Mais où est-il? Des bisous à Q, mon dodo. À Q. Allez, trouvez-le. Je te protège. Vite. Voilà. On va te trouver. Non, mais pourquoi j'ai fait ça? Ah! Comme ça? Ah, me voilà. Oh! Tu peux pas gagner. Possible, ça. Je peux pas m'atteindre d'ici. Tu fuis comme un mouton. Un mouton de grec. Un mouton de grec. Un mouton de grec, j'aime beaucoup. Ils sont combien de millions? Plein de millions, je pense. Allez, ouvre les yeux. Merde, à chaque fois je peux pas m'en empêcher. Ah! Allez, tu veux pas sauter? Tu sais qu'on va te trouver. Non, vous me trouverez pas. Te voilà. Ah merde, il m'a vraiment vu. Sinon on verra le coffre le plus tard hein. En fait j'ai trouvé un endroit où passer mais je sais pas si je peux... Mais arrête de glisser. Je sais pas si je peux vraiment passer par là où j'ai vu. Oh. Ouais bon c'est compliqué mais je veux le coffre là maintenant que j'ai commencé. Je peux pas. Mais ça dégoûte, j'y étais à la prison, j'avais tué tout le monde là. C'est trop long ça, c'est trop long. Et la maman, tortue et les enfants, tortue iront toujours au pas. La maison n'a plus jamais, on ne verra. La famille tortue, non. Pas cette chanson. Pas. Je suis une tortue. Bon, c'est bon là. Vous butez vous. Je
Je peux pas escalader ça. Yameo Nabu, Yameo Nevera, la famille Tortu courir après les rats. Le papa tortu, et la maman tortu, et les enfants tortu, iron to your sopas. Let's go! Merci, Cocotte. C'est trop mignon. Allez, saute! Oh, elle est trop long. C'est bon, j'ai ouvert, je peux aller chercher. J'ai vraiment fait tout un truc dans la prison pour rien du tout, hein. Et le papa, tortue et la maman, tortue iront toujours. Pardon! Opa! Je connais. Voilà! Ne bouge plus! D'accord! Qui? Ah! Mais cours! Ah! Je te tiens! C'est au-dessus de ciel, c'est là que c'est meilleur. Oh, ça, on le savait. Il est où le coffre? Il est où le coffre? Ah, je suis coincé! Super! Paix du soulèvement. Je te tiens! Engage. Non, siffle pas. Je veux voir si tout était en ordre. Tout est en ordre. Ok, je m'en vais. Like a glove. Ah, j'ai glissé. Arrête de t'accroupir. J'ai gagné des unités. Super. Bon. Alors ça c'est bien, on va devoir aller au point là-bas, donc on va explorer, mais je vais aller voir l'écurie d'abord pour voir si je peux avoir un dromadaire, un cheval ou tout autre pégase. Soulèvement, salut Hans. Acceptation, et j'accepte le coffre. Mais je ne suis pas complétiste, sinon j'aurais fait déjà trop d'autres trucs, j'aurais pas pu m'empêcher d'essayer d'avoir plein de trucs. Je crois que je vais me faire une bonne... Attends, elle est où l'écurie? J'aime beaucoup petit tout le monde. Je l'ai passé trop vite. Bonjour. Salut à toi. Salut. Bonjour. Bonjour. Voyons un peu ce que tu as. T'as quoi comme... Et regarde. T'as quoi comme dromadaire? J'ai lui déjà. Mais bon, je préfère le dromadaire. Hein. Je vais prendre mon dromadaire. Je vais l'équiper. Comment je le sonne? Oh, faucon. Non mais le mien il est bien. Il est équipé déjà. Didacticiel, comment je fais? Ah merde. Mais comment j'ai mon animal? Tu veux? Comment je l'appelle? À bientôt. À bientôt. Reviens sur le déni. Super. Arrête. Il s'est rien passé. C'est beau ce que tu dis, meuf. Un petit rat chevauché. C'est toi le petit chevauché. Pourquoi il caresse sa ceinture, le PNJ? Pas des mecs qui se caressent, hein. Faudrait que ça se fait. Oh, y'a un âne. Et quitte-toi. Non, te lève pas, t'étais bien, t'étais mignon. Un dromadaire, c'est une bosse, et un faucon, c'est un homme. Oui. C'est important de préciser tout ça. Ouais, si je peux... Tue-le. Non, mais non, je tue pas un âne. Zut fou. Un bon petit chevauché. Attendez, attendez. Oh Louis. Oh. Je sais pas comment avoir ma monture. Ils sont où les touches? J'ai trompé. Ok. Je vais aller dans. Option.
appeler mon tour maintenir. Ah, faut maintenir. Arrête d'être coupé. Oh, il a défoncé tout le monde. Oh, c'est parti. Pardon, excusez-moi, pardon. 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 Excusez-moi, s'il vous plaît, il y a un dromadaire en fait. Faudrait pousser le chemin de là-bas. Je peux pas prendre le truc. Je descends. Ça, c'est des infos historiques. Pardon, je suis trop désolée. Oh, je suis désolée. Va-t'en. Voilà. Ah oui, il est rouillé, mon machin, c'est vrai. Pardon. 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 Voilà, je trouve que c'est les endroits les plus stylés, moi. Pardon. Où c'est là ? Vas-y ! Non mais là, trop de monde, je peux pas. Je suis désolée, je suis obligée de pousser. Il y avait vraiment beaucoup trop de monde là tout de suite. Pardon ! Oh, il a disparu, il a eu trop peur et il s'est dématérialisé en me voyant. Ça a l'air d'être là. Maintenant, dégage, toi ! Où peut-être aller ? Et ça ! Et ça ! T'avais un petit icône au-dessus de ta tête, attention, hein. Je vais te faire passer ton envie d'icône, moi, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein? Je peux te harceler. D'accord? Alors attention, hein. Tu fais pas apparaître des icônes au-dessus de ta tête en mode oui, je vais te poucave, hein. Attention, hein. Attention, hein, parce que si tu veux poucave, moi, en fait, je tourne autour de toi jusqu'à la fin du monde, mec. Ok? Alors. Stylé, comment c'est vide? Attends, venant de la part d'un joueur de Starfield, c'est un peu chelou de dire ça, non? Pouka Vélox, ça dégoûte. J'avais une icône. Oh, punaise. Oh, il est joli ce cheval. Tu peux le voler? Oh, vas-y. Je t'aime bien, dromadaire, mais t'es un peu rouillé. Oh, lui, il est beau. Je suis coincé. Moi, j'y joue pas à Starfield depuis Lies of P. Ah. Mais ouais, mais Lies of P, tu l'as fini 15 fois. C'est ton nouveau jeu. Même pas envie d'y retourner. Oh, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Cet homme est venu à mon secours quand mon sort semblait désespéré. Et d'après ce qu'on m'a dit, il n'a pas aidé que moi. Je te rendrai un grand hommage dans la chronique de nos écrits. Vas-y, viens jouer à Palia, Buisson Delphine. Faut d'abord en écrire la fin. Viens. J'ai bu. Encore elle. Elle me gasse un peu. Avec ses yeux de fraille, là. Vous avez déjà fait connaissance, je vois. À peine. Mais la nuit ne fait que commencer, et il y a beaucoup à discuter. Cet homme qui s'est tépé derrière moi m'a sauvé la vie. Ce que vous pouvez nous fournir. Et oui, on a sauvé Ali à la prison. Nos moyens sont limités, mais sois certain que j'écouterai tes doléances, Ali. D'accord. Plus tard. Dis ce que tu sais sur Al'Rhul, afin que Bassim puisse accomplir sa tâche. Oui, oui, oui. Vos affaires avant les miennes. Il m'énerve, il se la pète, Ali. Al'Rhul envoie des ordres aux gardiens de prison pour leur bureau creusé dans la région de Bagdad. Mais il n'emploie pas que téton. Des prisonniers. Oui, il est tranquille alors qu'il a un téton à l'air. N'importe quoi, c'est trop bizarre. En vrai, qu'il y a un téton à l'air, non mais bizarre. Al'Rhul achète aussi. Je sais pas, son téton, il m'hypnotise. Alors, qui à Bagdad pourrait mener ce genre de transaction sans attirer les soupçons? Est-ce qu'il y a des beaux gosses? Franchement, notre héros, Bassim, moi je trouve pas mal. Hein. Il dirige les savonneries de Bagdad et il trouve du travail payé aux étrangers. Des Perses pour la plupart. Ainsi, il oblige. Tu juges? Non, je mate. Ces sites de fouilles. Et cela sous prétexte de leur fournir. Je mate comme des échecs. Bêcher. Je peux pas comprendre, faut avoir vu The Queen's Gambit pour savoir. Il a trouvé l'un des sites de fouilles d'Al'Rhul et s'est fait passer pour un prisonnier. Qu'est-il arrivé? Il y a un téton. Oui, c'est une tenue qui fait full téton. Il y a beaucoup de skins stylés apparemment. D'essayer de mais faut casquer. Silence.
J'ai brisé le crâne de l'un d'eux et je me suis enfui. Les autres n'ont pas eu cette chance. Salut, Catholique. Un acte bien téméraire et qui n'a donné aucun résultat. Non, c'est faux. Al-Rul sera au caravansérail. J'ai entendu les gardes en parler. Bien sûr. Les marchands de toute origine y font halte. Si Massoud achète des travailleurs étrangers, il est logique qu'il mène ses affaires au caravansérail. À quoi ressemble-t-il ? Un homme imposant, qui aime les ornements tels que les bijoux et les soirées orientales. Alors, il sera facile à repérer. Petite soirée ! Que j'apporte mon téton. Ma foi, c'est à Bassim d'en décider. Bassim ? Seul ? Non, laissez-moi rassembler des hommes. Quoi ? Mais attendez, j'ai mis à sac une prison solo, mec, pour te sauver. Oh, je l'aime pas ! M'énerver ! Considère cela comme partie intégrante de notre accord. Je bois mon lit, mais avec colère. Hop là, ah non, t'as mis tes gouttes. Ah, je suis colère. J'ai voulu faire des bulles, attendez. C'est bon, j'arrête de boire mon lit avec colère, je prends un torchon. Je suis prêt de fou. Je suis prêt. Alors, suis-moi. Attendez, j'y suis un peu. Viens, Bassim. Ok, je suis à fond, là. L'accent wow, je suis en cinématique. Meilleur contenu. Je sais pas si c'est bien pour suivre la cinématique. Je mets les câbles comme ça parce que sinon j'ai peur de rouler dessus parce qu'il est vachement long. Alors je mets le câble de la manette un peu partout. Ne t'éloigne pas. Bah tu veux pas bouger, c'est toi qui t'éloignes. Hein. Ne t'éloigne pas, tu dis ça en allant, ça va pas non ? Eh, les messages paradoxaux ça va hein. Dégage. Ah non, je voulais glisser. Non. J'y vais en dromadaire si tu veux. Oh non, j'y vais en cheval. Est-ce pour moi ce cheval ? Un membre de l'ordre est à notre portée, Bassim. Je vais l'appeler comme Dolores. De ses prédécesseurs et de ceux qui suivront, celle d'Al-Rul sera juste. Cet homme profite des désespérés et des laissés pour compte. Au moins. Et ses atrocités continueront. Car Al-Rul n'est qu'un rouage d'un vaste mécanisme. Mais quand on critique quelqu'un qui est méchant avec, les pauvres, tout en courant sur des pauvres avec un cheval, est-ce paradoxal ? Aujourd'hui, Bassim, ta main, ta lame seront au service de cette mission. Et si Al-Rul est ta première cible, il ne sera pas la dernière. J'en suis persuadé. Et j'ai foi en toi. Tu devrais boire un peu de sirop. Stoïque, la dureté de mes leçons. Sache que tu m'as impressionné, Bassim. Un petit lait d'humain. La présence de l'ordre à Bagdad et ailleurs restera sur un sable mouvant. Vous savez qu'un lait d'hippopotame, c'est rose. Tu seras notre fer de lance. J'ai l'intention de le demeurer. En profitant de tes conseils, maître. Allez, on court. Oh, ça va, j'ai voulu courir un petit peu parce que j'avais un cheval qui pouvait courir bien. Faut descendre ? Je sens pas. Hein. Je marche. Hein. Enfin, je marche pas plutôt. Ouais, elle est un peu fumeuse depuis ses 4 ans. Un peu, ouais. J'ai toujours eu cette voix. Une vraie fourmilière. Viens, pose les yeux sur les proms. Je pose les yeux sur les proms. Des marchands, du bétail, des caravanes venues de partout. Moi qui trouvais désordonné les marchés d'Anbar. Là où il y a désordre, il y a aussi chaos. Un chaos qui peut être source d'opportunités. Reste à l'affût de ce qui se présente. Sois réactif. Hey, hier on m'a dit que le Black Mamba... Mince. Le Black Mamba ? Et laisse parler ton instinct. Il était... pas australien, c'est vrai ça ? Je vérifie tout de suite. Bientôt voilà Massoud. Sur la terrasse. Comme l'avait indiqué Ali. Je le vois.
Va, trempe-la dans le sang de la victime. Je te retrouverai quand cela sera fait. Ah ouais, c'est africain, mais africain du sud. Ok. C'est pas du tout un Black Mamba qu'on a vu. Mes faits bien cachés, Alrol. Galop, quoi, mon top modèle, le cheval. Ceux dont les faibles cris ne risquaient guère d'être entendus. Rochaine égale Palpatine, mais j'ai pas les rêves de Star Wars. On en a parlé un peu hier, mais j'ai pas les rêves. Et ont été tués comme des chiens. Tout cela pour retourner le désert en quête d'un objet. Tu marchandes de la chair fraîche, à l'abri, au caravansérail. Tu aimes tes victimes enchaînées et affamées. Il est temps que tu affrontes un objet. Tu es de FPS, là. Ouais, oh. Arrêtez de vous trouver des excuses pour buter des gens, hein. Tout un moment. Il y a des serpents dans Mirage, oui. Oui. Et on les entend, ils font... Je sais pas, je connais pas Palpatoche, moi. Al-Ghul. Al-Ghul, ils disent. Dont le vrai nom est Masoud Al-Yakoub. Est un membre de l'ordre qui profite des désespérés et des essais pour compte et contraint à creuser dans le désert pour des raisons inconnues. Il y parvient notamment en usant de son activité publique de propriétaire de savonnerie pour acquérir des ouvriers étrangers contre la promesse d'un revenu. Il mène ses transactions au caravansérail. Chercher des opportunités et distractions afin d'amener Al-Ghul à se dévoiler. Ouais, d'accord. Viens, à toi. Je vais tout cramer. Distraction de fou. Examine les lieux, Kido. J'aime trop les serpents. Hanté à elle, à la phobie. On va voir s'il y a d'autres trucs. Mon petit oiseau, là. Ah ! Ah, il y a autre chose ici. C'est quoi l'entrée secrète? Je vois déjà où elle est, hein. Je sais pas ce que je suis censé repérer, ça m'énerve, je comprends pas trop le GPS de cet oiseau. Rappelle-toi, patience. Et mère de famille, oui. Du coup! Ok, discrétion. Dégage. Pourquoi un tel retard? Je n'en sais rien. Attends ici. Les gardes sont arrivés et nous ont donné l'ordre d'attendre. Ah oui, je peux aussi suivre ce groupe. Ok. Ah, déjà on interagit avec ça. Non, je veux pas faire ça. Je voulais voir un peu autour de WAM. Quelqu'un qui parle, il y a des méchants gardes, ça, il y a une porte, Ok. Parcours. Qu'est-ce qui retarde ton départ, l'ami? Un dénommé Masoud a jugé bon de faire... C'est lui, Justinimir. ...marchandise. Alors j'attends. Pourquoi faire du Aikido quand tu peux faire du Enkido? L'Enkido, au moins, est moins fatigant. Non mais t'inquiète, les serpents, pour le moment, on en entend, mais on en a vu de près qu'un seul. Et il a même pas vraiment attaqué, il se la pétait. Je peux peut-être t'aider. Des marchandises, exactement. Je ne demande que pour les obtenir à ta place. Tu ferais ça, toi. J'aurais plaisir à voir cet homme écumé de rage. Il s'agit d'une caisse de soierie et d'épices. Prépare ton dromadaire. Je vais voir ce que je peux faire. Prépare ton dromadaire. J'emmène l'hydromel. Pff, rien à voir. Rien à voir. Excusez-moi.
On avance. Attends, du coup, faut que je fasse quoi? Rapporter l'objet confisqué au chef de la caravane. Où est-il? Où est-il l'objet confisqué? Où est-il? J'y vais. Ah, des poules! Voilà. J'ai juste envie de voir les poules. Ah, mais faut que je rentre en fait dedans. Mais ça va pas m'aider, c'est stupide. Une caisse de soieries et d'épices. Je doute qu'il y en ait beaucoup dans les environs. Fuck. Ils savent que je vais tout escalader. Ah, je suis obligée de monter par là-bas. Ok, je vois. Mais en fait... Oh, il y a eu un petit... La manette, elle a vibré comme s'il se passait un truc. Non, pas ça. Je sais pas pourquoi. Alors, je vais escalader ici, mais sans trop y croire. Non, je crois pas, je crois rien, moi. Il n'est pas le bienvenu, sûrement. Tu me le diras plus tard, on a du travail. Ok, l'objet, il est là-bas, c'est ça? Non, il est là-bas. Il est là-bas, ok. Allez, monte! Oh, petit bébé. Mais en fait, rapporter l'objet confisqué, bah c'est après en fait. Ça va pas m'aider, enfin je comprends pas. Faut que je m'infiltre dedans pour après pouvoir me réinfiltrer? Ça a pas de sens. Il y a un truc que j'ai loupé. Les camélidés. Peut-être que je peux m'infiltrer par la fenêtre. Mes parents se sont rencontrés et ils sont d'accord. Bien, tu me vois là. Je vais bientôt être invité chez elle. C'est avec Iqbal le jour où nous sommes prêts. Va, t'es prêt. Toi, reste là. Toi. C'est en sous-sol encore. Mais attendez, je m'infiltre dans la prison pour m'infiltrer, ça me stresse. Il ouvre pas la porte. Oh, c'est marrant ça. Fais te trouver. Bah, faut ouvrir la porte. Hein. J'ai besoin de savoir où c'est. Ah, c'est là. J'ai par ici. Ah. Sur le côté. Oh merde. Oh merde, merde, merde. Faut que je le porte. Ça va être long. Arrête avec tes bêtises. Je ne peux plus respirer. Je te vois à moi. Ah merde, c'est lourd. Oh, je suis dans la sauce. Maintenant, tu vas mourir. Ah. Non. C'est fini. En vérité, il est dans le rat. Du coup, faut que je ramène ça.
pour qu'il accepte que je sois dans la caravane. Oh, mais quel enfer! Ça s'est passé comme sur des rollers, en plan sans accroc. Non, mais il y a un truc que j'ai pas compris. Ou alors je m'infiltre. Mais non. Il y a peut-être une autre diversion à trouver. Je vais repérer avec l'aigle. C'est mignon l'aigle, mais je comprends rien à ton signal. Non mais je sais pas, après si vous avez... Si y a un truc qui m'échappe... N'hésitez pas à me le faire remarquer. Avec surtout un petit emoji clin d'œil. Histoire d'avoir un message très bienveillant et pas du tout cancer. D'autres diversions possibles ici. Non, le... il n'y a pas son radar qui s'allume, alors c'est mort. Ça me sert à rien. À lui. Oh, mais je comprends pas. Des fois, il y a son truc qui s'allume, puis hop, ça s'éteint. Voilà, comme là. Mais c'était quoi? Super. Opportunité de diversion. Oui, non, mais s'il faut que je rentre déjà, je fais... Ça sert à quoi de faire diversion une fois que je suis dedans? La diversion, c'est pour rentrer. Moi, j'ai fait mieux. Meilleur jeu vidéo, L plus ratio. Voilà pour la bienveillance, merci. Spirituel, tout ça, bien sûr. C'est nickel. Allez, bah je sais pas. Entrée secrète, oui, un truc qui est secret. Bah je vais faire l'entrée secrète alors, hein. Hey, coucou, c'est qui, c'est Didi Bell. En vrai, on va faire l'entrée secrète, puis on verra, hein. Toujours là pour augmenter le moral et l'estime de mes streamers favoris. Et moi j'ai... Non, chapeau. Ça, tu aurais dû mettre. Ça aurait été parfait. Ça va bien, Didi Bell? Ça va ta journée? Est-ce que comme nous, tu as rencontré des gens insup qui méritaient des claques comme ça là? Non, faut pas que je le fasse. Sinon après, le bruit et l'image fait penser à d'autres choses. Et merde. Il est trop tôt. Plongée. Tu peux déplonger. Ah, c'est un. Ouais, mais elle est pourrie l'entrée secrète, elle est surveillée, tu parles d'un secret. Tiens plus tôt de battre. Mon entrée secrète qui mène direct dans le cœur du volcan. Mais dans un endroit sûr? Non, dans la lave. Hein? Mais quel intérêt? Ah bah elle est secrète. Bah ouais, mais j'avais l'impression que rapporter l'objet confisqué, ça me permettait de faire une diversion après avec le gars qui est un chef des marchands, je sais pas quoi. Tu n'as nulle part où te cacher. Déplonger, oui. On va te défusquer, sale rat. Pas de claque à donner. Mais beaucoup de travail. Ok. T'es au week-end demain? Ça peut avoir envie de donner des claques, hein. Beaucoup de travail. Attention, je plonge. Nickel! C'est super ce que tu fais. Plonge. Allez, je lâche.
une seconde. À saouler. Ok, nous disâmes. Bah, faut que j'utilise ça. Je vois un peu. Alors. Un coffre. Là, il y a des marchands que je peux soudoyer, mais le problème, c'est que... Le problème, c'est que j'ai pas... Oh, le bordel! J'ai pas la pièce qu'ils veulent. J'ai pas la monnaie en particulier qu'ils veulent. Ah, coucou, qu'est-ce que ça fait ici? Attends, on nous a promis du travail grassement payé. Et nous voilà à suer sang et eau, les pieds dans le sable. On nous a trompés. S'il te plaît, aide-nous. Et s'il faut que je foute? Dis-moi en quoi je peux vous aider. L'homme qui nous a amenés détient un document qui nous lie à Massoud. S'il n'a pas touché son argent, il devrait encore être là. Si je parviens à libérer ces hommes de leurs obligations, Al-Rul ne tardera pas à apprendre qu'il n'a plus d'ouvriers. D'accord. Confisquer le travail. Je vais confisquer le travail. Oh, c'est où? Non, je vais pas confisquer le travail. Je vais trouver le responsable des ouvriers et lui parler. Rien à voir avec le fait de confisquer un travail. Faites comme d'habitude, surtout. Voilà. Dedans. C'est qui me repère là? C'est qui? J'ai quand même perdu. Ah, c'est lui. Quoi? J'avais rien vu. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Salut à toi. Bonjour. Quelle sorte de marchandises vends-tu? De l'ivoire et du miel. Super, ça va bien ensemble en plus. Peut-être, oui. Mais je vais continuer. Pourquoi je lui parle? Je pensais que c'était un truc intéressant. Je me cache. Ok, donc j'ai pas. Mais pourquoi j'ai pas le droit d'aller là-dedans alors qu'il y a plein de pécores là? Genre, moi aussi j'en suis, hein. Restez calme. Mais ils stressent tous à chaque fois que je prends un truc. J'ai rien le droit de prendre. Voilà un événement bien étrange. Peut-être pourrais-je en tirer profit. Mais comment? Salut à toi, voyageur. Le caravansérail regorge de marchandises aujourd'hui. Aurais-tu des choses à vendre? Je ne traite qu'en dirhams, jeune homme. Et je ne vends pas de marchandises à proprement parler. Quoique là-dessus, les avis divergent. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je vends des hommes, de la main d'œuvre, mais mon lot est déjà promis. Et c'est sans appel? Je ne manque pas d'argent et j'ai besoin d'hommes comme les tiens. Alors c'est 15 000. Quoi? J'ai 500? Bah non, hein. C'est grotesque. Qui serait prêt à payer autant? Tu ferais mieux de garder cette question pour toi. Allez, maintenant disparais. Après, si je le tue? Si je veux libérer les ouvriers, je vais devoir voler ce document. Pas de sel, d'accord? Ok, ok. Je vole, je vole. Attention, ça va être un QTE un peu serré. Ces deux hommes se disputent après moi. Non, même pas. Pas assez fort. Ok, ça c'est fait. Si, ça va, ça va, ça va. C'était facile. Présent, libérez ces hommes. Ne vous occupez pas les filles, ne vous occupez pas. Je vais te faire taire. Ah, mais j'ai rien fait. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, te voilà. Ah merde, c'était des méchants. Oui. Ah.
moins de chance la prochaine fois. Punaise, je me fais repérer en 15 secondes, même pas. Et j'ai plus de... J'ai plus de heal. Par contre, la bouffe. Ah non, c'est des sous. Arrêtez! Arrêtez! Avance, 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 je t'en supplie. En vrai, ici, il n'y a que lui qui fait chemire, je crois. Hein. Ça va, lui, il a rien vu là-bas. Comme sur des rollers. Bon, j'ai volé le document, faut que je le donne. J'en ai marre. M'ont vu. Cours, cours, s'il te plaît. Tu es à moi. Cours, descends. Mais j'aime pas, ils savent même pas pourquoi ils crient eux. Et que lui et qu'un autre personne. Ouais, bon. J'avoue qu'il y avait un peu du monde, mais Mais en fait, il y a du monde partout. Toi, j'aurais peut-être pu... Le feu a causé un joli tumulte. Vous savez quoi faire, hey. C'est pas mal, ça. C'est pas mal s'ils viennent tous à moi. Ça m'a trouvé de la boue. Bon, faut que je fasse ça, moi. On aura moins de chance la prochaine fois. J'ai sifflé, punaise. Qu'est-ce que c'est, ça? Pourquoi ça brille, là? On fout les balaises un peu, je vais baisser. Oh. Possibilité de fuir. Le document, faut que je remette à des gens qui soient 60 mètres. Ça se fait 60 mètres, faut que juste que je me fonde dans la foule. Faites semblant de rien. Coucou. Ok, y a des gardes ici? Non, ça a l'air d'être peinard. Il y a eux. Voilà, là je vais de groupe en groupe, ça va. Ils savent même pas s'ouvrir. Oh, de la bouffe. À toi. J'ai repris le document à celui qui vous a amené. J'ai repris le document. Plus tenu à rien. Oui. Les ouvriers s'enfuient. Et par conséquent, Alroul va le remarquer. Je dois me tenir prêt à frapper. Cela va remonter aux oreilles d'Alroul. Viens donc voir le spectacle, espèce de lâche. Ah ! Easy la foule. Ouais, la foule ça va. Mais bon, là, à chaque fois je tombe sur tellement de monde. Et à la foule, faut que je le tue, c'est ça ? Ça, hein. Mais du coup, voilà, celui qui voulait le... Ah merde.
Celui qui voulait sa caisse là. Ah merde, trop tard. Trop tôt. Celui qui voulait sa caisse. La mort s'en. Et j'ai ni connu. Je me trompe de touche tout le temps. Celui qui voulait sa caisse de truc. Des bisous lui. Merci. Des zoubis. Celui qui voulait sa caisse de soie. Je peux pas la faire aussi cette quête, moi je voulais faire les deux. Ne le laissez pas s'enfuir. Je m'éloigne au cas où ça peut aider un peu, voilà. En fait, il faut que je tue Al'Ghul. Et maintenant, il va sortir et du coup, je vais pouvoir le buter. Attendez. Bah, y'a ça ? Ah merde, je pensais qu'il était juste en dessous. Du tout. Oh, je suis trop déçue. Ok, faut que j'escalade. Je vais le faire. Y'a lui, y'a lui. Je vais essayer de libérer les poules cette fois, attendez. J'ai réussi. Non, les poules et mon poucave. Je vous ai libéré, j'ai plus rien. Elle m'attaque comme dans Zelda. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Descends. Non mais j'y arrive pas. Attendez, faudrait que je mette ce coup là plutôt. Voilà, le petit coup comme ça, il y a peut-être moyen. Vous voyez? Mais faut que je puisse viser bien. Imagine, il y a une cage par terre. Et que je mette comme ça, genre elle est par terre. Ouais mais voilà, mais je peux pas. Ou en m'accroupissant. Ouais, c'est trop comme coup. GG. Et franchement... Alors elles sont peut-être un peu blessées, mais au moins elles peuvent s'enfuir. Par contre, elles m'ont poucave. Oh, c'est relou. Le voilà. Maintenant, c'est à moi d'agir. Il y a un truc doré là. Ok. Je suis sûr qu'il y a un coffre ici. Tant que j'y suis en vrai, avant de le buter. Oh non, on n'a pas. En tout cas, il n'est pas sur la carte. Ah, oh, il apparaîtra plus tard, c'est ça. Oh, je le sens trop comme ça. Nous veulent notre travail. Là ça va, là je suis trop quitte. Ça va. Oh mais attendez ce coffre en bas. Attendez, attendez, attendez. Avant. Avant, avant. On est d'accord que là-bas il y a un coffre jaune avec quelqu'un devant en mode c'est quand même un truc important. Ne serait-il pas important? Ne serait-il pas sympathique? D'essayer de le loot avant de se barrer. Moi je pense que oui. Ah mais les gens ils sont en train de partir. Y'a plus de foule, qu'est-ce que c'est que ça?
Il est juste là. Oh, je le veux tellement. Le jeu, il veut que je l'assassine. Bon, je vais l'assassiner d'abord. Je vais l'assassiner d'abord, mais... Peut-être qu'après, je pourrais avoir le coffre facile. Oh ! Ah oui, d'accord ! Une exécution ! Désolé, il n'y avait pas beaucoup de bruitage, je crois que je les ai un peu trop baissés. Et vu que les sons ont été mis à jour, trahi par les poules qu'elle a sauvées. Mais oui ! Non mais ça va, ça s'est bien passé. Et oui, toujours cette petite scène un peu de d'aveu, rédemption avant de mourir. Rengaine ta haine, Masoud. C'est ta malveillance qui a eu raison de toi. Malveillance ? T'es trop mauvais et nul. Les ignorants, les faibles et les incapables. C'est pas trop une rédemption, ça. C'est notre droit divin de régner sur eux. Et notre devoir d'exiger leur contribution. Contribution ? À quoi ? À ce qui pourrait être, et dont la connaissance est enfouie au plus profond des sables. Il est préférable que certaines choses restent inchangées. Non, 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 non. Ce sont des présents. Destinés à être mis au jour. Nous parle. Tu le sais bien. Moi ? Couille. Oh oui. Tu es de ceux qu'on ne voit pas. Mais pas seulement. Oh, c'est plus profond que ça. Peggy 18. Oh, je l'ai tué avec une plume. Ah non, non, j'ai pris son sang. Merci, Catalyst. Je croyais que c'était une plume tranchante. Ça, la plume, quoi. La plume en Kevlar. Le djinn toujours, hein. Il nous suit partout. Oh là ! Il y a enfin des mirages ! J'ai des rêves un peu. Dehors des conflits déclenchés, concentration d'assassins, aide à l'aide de R pour exécuter une séquence d'assassinat parfaite. Ah, c'est ça ! Pendant que l'aptitude concentration de l'assassin est active, sélectionnez les ennemis à viser. Et à l'aide de R, B, puis utiliser... Ah, vas-y, mais fait cœur automatiquement une séquence d'assassinat. Effectuer des éliminations discrètes et pour remplir la jauge. Pardon, je parle. De concentration afin de pouvoir employer de nouveau cette aptitude. Oui. Je fais A. Je fais A. Je fais viser. RB. Ça, c'est pas de la triche. Nihal ? Basim. Mais on la connaît. Ah, c'est notre pote qui a tué tout le monde. Remarque, maintenant, je peux plus juger. Salut, Bloody. Vide ton esprit. La quête incessante d'Al-Rul aux dépens de nombreuses vies est arrivée à son terme. C'est une victoire, Basim. Pour quiconque échappe à sa cruauté. Tiens, va être un petit Bloody. On ne voit pas. Le grand projet de l'ordre à Bagdad demeure certes un mystère. Mais du coup, on a un pouvoir comme ça et on nous dit pas pourquoi ? Il n'est même pas introduit dans le jeu ?
Je pense qu'il cherchait à déterrer d'autres objets étranges. Un peu comme celui que j'ai dérobé au palais d'hiver. En quoi ces reliques du passé peuvent-elles intéresser l'ordre? Et pourquoi chercher aussi bien à les protéger? Tu commences à poser les bonnes questions, Basim. Ensemble, nous trouverons les réponses. Dernièrement, je n'ai que des questions. Que veux-tu dire par là? Rien. Oublie mes paroles. Comment puis-je alors t'aider si tu ne me parles pas franchement? Je fais des cauchemars. Dans ces rêves, un djinn me tourmente jusqu'à ce que je me réveille affolé. Trempé de sueur. Ah, Alamut, je l'avais presque oublié. Mais en tuant Al-Rul, j'ai ressenti de nouveau sa présence. Et je n'ai que des pourquoi. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Rien que des questions, aucune réponse. Je comptais t'en parler, mais... Mais tu avais peur que je te prenne pour un esprit faible. Pour un grand malade, ouais. La faiblesse n'est que le reflet de la renonciation. Pour triompher d'une faiblesse, il faut accomplir ce qui est nécessaire pour réparer la cause de ta souffrance. M'accorderais-tu un peu de temps? J'aimerais retrouver une vieille amie. Nihal, je m'en souviens. Tu tiens beaucoup à elle, n'est-ce pas? Oui, mais lors de notre dernière conversation, je l'ai amenée à croire le contraire. Il fait des cauchemars. Et cela te cause du chagrin. C'est vrai que ça fait un peu alors une relation. Va guérir cette blessure sans tarder. On dirait un peu sa daronne un peu. La chose sera faite. Logique qu'il lui raconte ses cauchemars après. Hein. Ok. Si c'était bien Nihal, j'ignore où elle a pu aller. Y a-t-il un coffre là-dedans maintenant? Non, hein. Peut-être rentrer à Anbar, peut-être chez nous. 3 points de compétence. Ah, va falloir que je fasse ça. À faire dévoiler ma vieille maison. Et j'ai vu un coffre dedans, mais en fait c'est peut-être juste un coffre de munitions alors. C'était peut-être ça. Oula, là les dialogues on les entend très très fort, je vais baisser un peu. Bon. Non mais je suis pas accro effectivement, c'est juste que tant qu'on est là autant prendre le coffre maintenant tu vois. Mais je le vois pas, alors je pense qu'il y en a pas. Tu vois, quelqu'un complétiste irait quand même vérifier. Moi je suis pas complétiste, voilà, je le vois pas affiché sur un map, je fais ah bah il doit pas y être quoi. Par contre il y a des notes. Eh hey, salut Cross, comment tu vas? Ça fait longtemps. Tu fais plus des streams aussi tard, toi. Avant, t'en faisais des très tard. C'est plus le cas. Je vais quand même vérifier s'il y a un coffre. Arrêtez, c'est pas du loot. C'est pas de la lootophilie. C'est juste que, bah, ça peut être utile, quoi. Non, il n'y a plus de coffre. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, il est là-bas, voilà. Mais je pense que c'est un coffre à munitions. Escalade, putain! Oh, ça me saoule, ça! Allez, allez. Allez, quand tu veux, hein. N'hésite pas à réagir dans 10 minutes. Nickel, c'était totalement ce que je voulais faire. Super. Ah bah non, c'est un vrai coffre, vous voyez? J'ai bien fait, hein? J'ai bien fait de venir encore ici. Ah, mais c'est juste du loot. C'est pas des plans. Oh, petit lag. J'espérais que ce soit un plan d'amélioration d'armes.
pouvais pas stream, j'étais trop occupé à bosser sur ce jeu. Oh, je savais pas que tu bossais pour Ubisoft. Trop bien. Hein. Exceptionnel. Alors, c'était cool? C'est la première fois que tu bossais sur un projet comme ça? Exceptionnel! C'est pour déconner. Allez, viens mon gros madère. Je vais mettre mes points de compétence. Alors, la plume. Automatiquement une roulade, ça ce serait bien. Parce que apparemment je saute souvent mal. Ça c'est quoi, récupération de couteau? Oh mais je suis bien, je suis... Un fragment jaune à la concentration. Ça a l'air cool. Assassinat enchaîné après exécution d'un assassinat. Ah, second ennemi proche. Oh, ça peut être cool ça aussi. Roulade de contre. Et ça, c'est quoi ces trucs-là? Ok. Les trucs de l'aigle. Les trajets de patrouille, ça peut être bien. J'ai un peu du mal avec Enkidu, enfin machin. J'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde avec le piaf. Alors qu'avec le dromadaire, vous voyez, c'est pas le même problème. Yalla, yalla. Allez. Ah voilà, là il court. Une grande première pour moi, trop bien hein. Comment tu trouves le jeu du coup? Désolé si je te fais répéter, si tu as déjà dit. Ouais ouais, on en parle un peu souvent. Bah déjà, c'est un peu dommage que le dromadaire soit rouillé. Parce que à la longue, c'est un peu fatigant. sinon, bah, j'aime bien. Je trouve que c'est cool d'avoir un Assassin's Creed un peu plus simple. Parce que moi, ça m'avait fait quitter le jeu, toute la multitude d'objectifs, le côté RPG très très présent. C'était pas trop ce que je recherchais, donc ça me fait assez plusieurs pour le moment. Après, j'ai juste commencé hier, donc on débute. Bon, on a un perso un peu pas très agile, j'ai un peu cette sensation. Mais ça n'empêche que c'est quand même, il est quand même agréable, voilà, quand même agréable à parcourir. Le jeu est très beau. Pour l'instant, l'histoire, bon, j'ai un peu du mal à voir les objectifs de notre personnage réellement, mais je pense que quand on verra notre pote, eh ben, il y aura un peu plus de, voilà, le lore prendra un peu plus de substance. Et puis, je pense que l'ultime de l'assassin. J'ai pas trop l'utiliser parce qu'on a quand même un exécuté qui permet de tuer plusieurs assassins d'un coup tranquille. Plusieurs gens d'un coup tranquille comme ça. C'est trop... mais en tout cas, j'étais pas sûre d'y rejouer la première... Enfin voilà, moi les Assassin's Creed j'ai un peu laissé même si j'ai quand même retesté Valhalla. Mais j'étais pas allée au bout. Et sinon, depuis le 2, depuis Brotherhood, j'y étais pas retournée. Et celui-là me donne envie, donc c'est plutôt bon signe. Mais c'est peut-être parce que bah voilà, j'en avais un petit peu marre que ça aille dans tous les sens des Assassin's Creed. En tout cas, j'avais cette sensation et celui-là, c'est pas le cas, alors c'est bien. J'ai fait la vidéo qui a mis en avant des tétons, par contre. C'est vrai. T'as fait la vidéo qui a mis en avant des tétons? Franchement, meilleur CV, hein. Faire des combos ultra stylés, des gens qu'on fait des folies avec. Ah oui, bah j'ai l'impression qu'effectivement ça fait une mise en scène assez classe. Donc ça te fait des petits plans cool quoi. Mais je pense que j'utiliserai pas trop. Je vais essayer de galérer moi-même. On verra. On verra en vrai.
peux pas lui parler. Ah si, voilà. Allez. J'imagine que Maître Rochan et toi êtes parvenus à... Ah, c'est Ali, putain, mais je le reconnais pas, Ali. Ma mère rencontrait femme plus têtue qu'elle. Mais oui, les tiens et les miens sont alliés. On dit aussi qu'un fléau de moins accable cette terre. Al'Rul a eu la fin qu'il méritait. Il en ira de même des autres. Des paroles teintées de sincérité, de passion. Tu ferais un excellent rebelle. Et tu serais lamentable dans nos rangs. Ah ! Où comptes-tu mener ton combat ? S'il est un endroit... Ce rire à la Crapabelle. Votre attention, c'est Chancréa. Ce lieu est un vrai nid de vermine. Nous avons à présent les moyens d'y remédier. J'espère que... Ah, pour montrer les skins du pack de luxe. Punaise, ils sont classe, les skins du pack de luxe. Moi aussi. Celui de... Celui inspiré de... Comment il s'appelle ? De Prince of Persia, il est super beau. Enfin, ils sont super beaux, le pack... Le pack entier est très beau. Bonjour, je viens voler. Mais promis, après, je m'en vais. Eh ben, c'est pourri chez toi, meuf. Même pas envie de voler, tiens. Ça me donne même pas envie de voler, quoi. Oh, mon dromadaire, il rote. Il est trop mignon. Bon. Où je vais? Là, on a un point de TP, c'est bien. On a eu le coffre dans le truc, là. Comment ça s'appelle? La caravane Farabarag. Je sais plus comment c'était. La caravane ferraille? Non. Un truc comme ça. Ah non, c'était ici. Non, ça, c'est la prison. La prison, on a eu le coffre aussi. Il y a plein d'endroits qu'on n'a pas exploré. Bon, en même temps, on a commencé hier. C'est un peu logique. Ma quête me mène où? Ma quête principale. Histoire de savoir un petit peu vers où je dois aller un peu explorer. Ah, on continue vers... On continue vers l'ouest. Ah ouais. Bah go explorer, hein. Comme ça, j'aurai un peu les TP. Et puis bah, ce que j'aime bien, c'est que là, ça va être de l'exploration dans la nature. D'ailleurs, on avait une carte au trésor super bien dessinée. Non, mais c'est pas ici, c'était dans la ville, je crois. Attendez, on va regarder. Musique du jeu, j'aime bien. Et je l'ai même mise en plus fréquente. Et malgré tout, elle est pas assez fréquente à mon goût. Parce que j'aime bien l'ambiance sonore. J'aime bien l'ambiance sonore du jeu, tant que c'est pas les blabla en arrière-plan. Parce que les blabla en arrière-plan, des fois t'as envie de dire, non mais, en fait, ça m'oppresse. Même dans la foule, j'entends pas les blabla aussi fort, mais ils ont un peu atténué, hein. C'était hier, c'était très fort, et là ça va mieux. Après, je suis en mode nuit. Je vais peut-être me mettre en mode moyen. Je préfère Assassin's Creed 2, je veux pas foutre la merde, mais bon voilà. Mais tout le monde, en vrai, hein. Tous ceux qui l'ont fait. Est-ce qu'ils ont eu un autre préféré depuis? Bon, j'ai l'impression qu'Origin Odyssey ont quand même pas mal plu. Mais excusez-moi, je sais juste plus comment appeler mon gros malheur. Ouh, c'est fort. Mais oui, Assassin's Creed 2 pour tous ceux qui l'ont fait à l'époque. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait Brotherhood juste après, qui était vraiment la suite directe de Assassin's Creed 2. C'est parce qu'ils avaient un personnage, une famille et tout ça qui était ouf. Et que l'Italie de la Renaissance, c'était trop agréable à visiter. Et qu'ils ont fait un... Il y avait un petit mix entre eux, il y avait plus de possibilités que le premier. Tout en restant un peu plus simple, il y avait des montures, il n'y avait pas de montures dans le premier. Enfin voilà, ça apportait plein de trucs. Ah, c'était une vanne. Ah. Bah je sais pas en vrai, hein. Il a beaucoup plu celui-là. Hein. C'est vrai qu'AC2 c'est une trilogie, parce que c'est lequel qui aussi retourne dans ce contexte-là. Ah, c'est deux, Brotherhood, et lequel, c'est le combien? Je sais plus. Brotherhood est un véritable banger, ouais, bah voilà. Non, mais clairement. Moi, j'avais adoré aussi. Et en plus, on venait de faire Assassin's Creed 1 pour une partie d'entre nous. On venait découvrir la licence. Et c'était cool de tomber sur cette licence. Ça, c'était super. C'était une licence super... super satisfaisante à découvrir. Et du coup, là, t'avais avec toutes les promesses de Assassin's Creed 2 qui ont été tenues. Hein. On était comme des fous.
AC2, AC2 Bronze Road et AC2 Révélation. Ah, d'accord. Après, on est passé au 3. Ah, je me rappelle pas de Révélation. Je ne l'ai pas fait. Ah, je vais peut-être pas pouvoir monter comme ça. Il y a un coffre ici, je crois. Oui. Ah, mais il est pas du tout là-haut, le coffre. Il est là-bas. Qu'est-ce que tu racontes, moi? Non, en vrai, c'est pas foutre la merde de dire que, en vrai, hein, que t'as préféré un autre jeu, même si c'est du troll. Heureusement, enfin, c'est bien. Là où vous foutez la merde, c'est quand vous commencez à dire que Genshin Impact, c'est mieux que Breath of the Wild. Ou que Genshin Impact a été copié par Tears of the Kingdom. Là, j'avoue, là je peux vous bannir. Là, c'est motif de ban pour moi. Mais sinon, vous pouvez dire ce que vous voulez. Tant que vous dites pas ça, pas de soucis. Eh ben, je vois pas où il est, le coffre. Il doit être en souterrain. Et par où? Puis je vais rentrer. Oui, bah c'était mieux d'arrêter de numéroter, effectivement, les Assassin's Creed. Ah, c'est une mine. Ah. Ou des caveaux. Ah. C'est pas regardé. Ah, il y a une scène qui arrive. Ah, c'est une scène. Je vais taquiner sans être bâtard non plus. C'est Pipou. En vrai, gentille attention. Gentille attention de ne pas vouloir être trop bâtard. Oui, après, c'est vrai que niveau ancêtres, on est passé des ancêtres, enfin, à des ancêtres d'autres personnages, il me semble. Mais j'ai plus suivi après. Et il y en avait des nouveaux, du coup, dans Valhalla. Et d'ailleurs, dans ce Assassin's Creed-là... Oh ! Mais il n'y a pas eu de... J'ai vu un truc dans le chat, mais il n'y a pas eu d'alerte. Dans ce Assassin's Creed-là, il n'y a plus... Il n'y a plus ça, le côté ancêtre et tout. Moi je trouve ça, personnellement je préfère, mais je sais pas si c'est avéré qu'il y en a plus ou si c'est juste que ça arrive plus tard. Merci beaucoup. Pas d'alerte pour moi. Est-ce que c'est quand Seiya sera là que ça fera le renouvellement? Parce que c'est vrai que ça met pas ce message normalement. Ça met un autre message. C'est peut-être parce que s'il est pas dans le chat, c'est possible que ça mette pas l'alerte. Ce qui est bizarre en vrai. Non, ça n'a pas de sens en vrai. Pourquoi ça met pas l'alerte? Attends. Merci beaucoup pour le renouvellement de labo, c'est adorable. Fais l'activité. Ouais, c'est pas... Ça n'est pas là dans mon flux d'activité. Il me reste 6 jours normalement. Ah oui, c'est ça. Ah oui, ça doit être ça. Ça doit être que ce sera fait le jour J. Ok. Bah merci beaucoup. Du coup, le jour J, c'est même, ça se trouve, vous serez même pas là tous les deux. Merci beaucoup. C'est très gentil d'avoir renouvelé le labo offert à Seiya. Et j'espère que ça va et que Seiya va bien aussi. Et que ça s'éclate bien. Soit sur... Oh, c'est par là. Soit sur Minecraft, soit sur Palia, soit sur un autre jeu. C'est un peu haut. Ah oui, faut que j'aille peut-être par là. Allez. Tiens. Il y avait de la flotte en vrai. Ah mais oui, il y avait de la flotte. J'avais pas vu, j'étais pas sûre. Oh, ça descend. Oh, un coffre. Trop bien. Mais ça, c'était un petit coffre. Je l'ai même pas... Oh, pardon.
J'ai même pas fait Unity. J'ai Unity Day One. J'ai attendu le patch. Oui, je crois qu'à la sortie... à la sortie, il y avait plein de bugs. Je crois. Pardon. Bon Dieu, t'attends. Là. Bon Dieu, t'attends. T'attends, elle fait bon Dieu. Merde. Dieu est avec moi. Non, mais arrête de faire ton truc rouge là. Est-ce que je l'ai looté? Moi je te loote toujours. Bon, la musique est pas assez forte. Ça m'énerve. Je suis pas assez dedans. On règle l'audio en permanence, mais à un moment on va trouver un super équilibre. Et parce que j'avais beaucoup baissé. Un peu foiré mais ça va, c'était rigu. Il n'y a plus qu'à repartir. Du coup là on est chez, on est à l'ordre, enfin c'est l'ordre là. Ah, je vois. Ça marche pas quand on essaie de casser avec ça. Il y a que ça qui marche. Ouais, ça c'est bien. C'est ce coffre là ou c'est... Non, c'est toujours pas le bon. Oh, tous les coffres qu'il y a. Mais ça c'est pas des coffres de collection, ça c'est des coffres plus de loot, je dirais classique. Attends, je sais juste pas comment faire. Ça va, j'ai pas été trop méchante avec vous finalement. J'ai plus de popo. J'ai pas fait le plein. J'avais paré. J'avais trop paré, vous aviez vu. Ah, tu les fais tous dans l'ordre, Catholise ? L'Assassin's Creed ? Frérot derrière, ouais, il y a eu du hurlement. Je sais pas, je pense que c'était un hurlement d'orteil contre commode. D'après mon analyse. City où l'entrée? Faut que j'aille pile poil sur le coffre. Non. Chameau sur orteil? Chameau sur orteil qui a froid. C'est pas par là. Je vais faire le tour. Je sais plus, mais je vais faire le tour. Ça marche, Croze. Bon, l'air des bisous. Un Camoulox, il se passe quoi? Moi, je sais pas. Un Camoulox TV, quoi. C'est ça, la liberté, finalement. Mais je sais pas sauter. Saute, s'il te plaît. S'il te plaît. Pas comme ça. Pas comme ça non plus. Pas comme ça.
Est-ce qu'il faut que je reloot? Oui. Ah, faut que je reloot, ça a pas sauvegardé. Ça dégoûte. Vole pas mes vannes. Comment ça? Comment ça? Je m'appelais Lox avant, hein. Je m'appelais Lox avant même le monde. Comment je les tue de manière pratique? Qu'est-ce que c'était? Je vais t'accrocher par petits. C'était le karma. De la ville. On dirait qu'il y a du grabuge. Paye pour tes péchés. Non, je pars en courant. Arrête. Non. Si. ça. Oui, il tourne en rond, il court en rond l'autre. J'ai toujours pas de soins. Faut que j'aille me soigner. J'apprends pas de mes erreurs, ok? Tu es en paix à présent. Excuse d'assassin, quoi. C'est bon, il est en paix. Non, il est mort, il est en paix. Il a même pas dit merci. Ah oui, du coup il y a ça et il y a ça. Voilà. Du coup ça je l'envoie sur les méchants. Sans me tuer moi, sinon ça va être chiant. Alors les poules, il va falloir trouver un moyen de les libérer sans les tuer. J'ai pas la strat encore. On va tout loot et se heal avant. Sinon elles vont marave. Ça va être leur vico, c'est un peu. Pas envie. Ok. Alors, on libère une épaule. Ah, je sais. Non, non, attends. Comment ça? Hey. J'ai trouvé. Ça va aller le coup. Y'a rien d'autre? Ça se pète, ça. Quoi? Oh non! Non mais arrête! Le coq il est méchant, arrête! J'ai été repéré par la poule qui a essayé de me... m'éclater la gueule. Elle a essayé de me buter, la poule. La poule ça, c'est coq. C'est peut-être bien coq. Oui, c'est pas poule. Non, mais arrêtez! Et oh! Oh! Mais! Il a tué la poule!
Il a attaqué la poule. Altarba. Altarba. Il a. Vous avez vu? Le coq a buté la poule. Il y avait un poulicide. Je suis kécho. Ah, la jarre devait détruire le mur. Oh merde, t'as tout à fait trop raison. Je vais voir si elle a repop. Elle a repop. Le jeu, il est gentil. Comment tu vas, tu belle do? Viens. Pas tout de suite, on attend. Découverte. Non, mettons, ouais. Des vrais animaux, hein. Désolée, je ne suis pas scientologue. Non, non, moi je serais plus ferme pédagogique hier, tu vois. Non, je serais juste pédagogique. J'aime pas les fermes. Sauf dans les jeux. Comme la pêche. C'est cute. C'est qui? Il faut buter? Je bute. Ça va pas le tuer, voilà, c'est le problème. Peut-être moyen que j'explose des trucs. Oh, mais oui! Lâche! Te calme, hein. Attendez, attendez, attendez. Ah, oh, c'est loin. On va essayer. J'espère qu'il y a un moyen que je le pose. Oui, il y a un moyen que je le dépose. Il est rigolo comme ça. C'est joli ce coin. Moi j'aimerais bien faire pareil dans Planet Zoo ou dans Minecraft. Je me suis fait percer l'oreille la samedi dernier et ça fait toujours mal, c'est normal? Ouais, je pense. Ça va sûrement gonfler et un peu s'infecter. La cicatrisation peut être pas très simple. Moi les oreilles c'était une galère, j'ai dû les percer plusieurs fois et puis j'ai arrêté de mettre des boucles d'oreilles parce que de toute façon c'est pas très casque friendly. Bon plan ou pas à votre avis? Nickel. Mais je pouvais pas le déposer. Je sais, je retente. Attendez, je retente. Et du coup, ma tenue, elle est cramax. Elle est un peu classe. Attendez, le téton, il est cramé aussi? Oh, petit téton cramé. Ah non, c'est bon. Dégueulasse. Je voulais voir sur téton cramé. C'est dégueu. On me laisse même pas profiter d'un téton cramé. Ça n'a pas gonflé et c'est super nettoyé. Ah, ça n'a pas gonflé? Ah ouais, c'est peut-être... Bah après ça dépend, ça fait vraiment mal. Mais si ça n'a pas gonflé, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter puisque c'est juste la cicatrisation qui te fait mal. C'est pas que c'est infecté. J'imagine que si c'est pas gonflé, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. J'imagine. I'm not a doctor. Oh non, mais je peux pas. Ils ont pensé à tous ces petits... Ces petits schnaffons. Je retente comme ça. Le jeu il veut pas que je le fasse. J'ai compris. Allez passe. Pas grave. C'est sûr, mais c'est pas grave. Ah mais c'est méchant ça. Attends, je t'assassine. De manière très délicate. Putain, je peux trop assassiner d'ici. Ah je peux faire ça. Par contre, vous avez une chute de FPS de ouf. Moi non, mais vous, oui. Ok, deux moins. Deux moins. Ça, il est déjà dans l'eau, là. Ah.
C'était facile. Oui. Dague de ceux qu'on ne voit pas. Est-ce que c'est ma dague? Probablement en vrai. Oh putain, c'est la montagne de... La montagne de sub. Bisous dans la scène. Et bonne cicatrisation. Ça se souhaite, ça? C'est l'Ox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci, hein. J'avoue. Eh, hey, ouh, je t'ai fait ça, je les vois, hein. Je pense que c'est le fait que ça se... Si, ça se met à jour en permanence, ça me saoule. Hop là. Putain, tout ça pour 2 centimes, quoi. Je peux pas repartir par la porte. Faut que je fasse tout. Ah, derrière la grotte. Let's go. Oui, j'aime trop les pièces cachées derrière les grottes. Il est trop bien. Qu'on ne veut pas, que même ils sont bien cachés. Comme une ombre en plein jour. Oh ouais, j'ai bouffé, je vais pouvoir cicatriser de ce que les poules m'ont ravé. Enfin, le coq surtout. Hein. C'est du Red Bull. Soir. Bon, j'ai eu le coffre. Alors attendez, ma lame que j'ai sur moi, c'est quoi? Ah non, c'est l'attaque des initiés à la mute. Et l'épée des initiés de la mute. J'ai pas la dague de ceux qu'on ne voit pas, à moins que je les loot. Mais si! Augmentation de dégâts défensifs. En cas de parade. Tu es au corps à corps un ennemi empoisonné. Génère un nuage toxique. Un ennemi empoisonné? Ouais, bah s'il lâche un tos à chaque fois que je le tue, ça va faire quand même une game un peu étrange. Mais j'ai pas de. À moins que je puisse l'empoisonner la lame. Peut-être. Bon, je l'améliorerai et je verrai ce que fait l'amélioration parce que là pour le moment je vois pas du tout l'utilité vu que je n'ai pas du tout de projectile ou quoi que ce soit pour empoisonner. Des pièces cachées derrière des grottes. Non, mais enfin vous avez compris, des petites alcôves de... Ah, j'ai dit des grottes. Ah oui. Des pièces cachées derrière des cascades. Évidemment. Il peut avoir des pièces. Hein? Oh merde, hein. Arrêtez. Oh, salut toi. Ah. Mais. Ah donc, tu ne montes pas. Ouais, merci, c'est fort cordial. Attends, galop, c'est ça. Ah, mon objectif, il est là-bas. Là, j'espère... Bon, c'est dans une ville ou c'est dans le désert? Parce que si je vais dans le désert, ça va pas trop m'aider. On a mis des... On a mis une grotte dans une grotte. J'ai fermé le jeu et... J'ai fermé le jeu perdu à 100%. T'as fermé le jeu perdu. Je voulais voir avec toi, car au niveau de la ville ronde, toi aussi tu as un truc non découvert. Alors j'ai peut-être un truc non découvert. À savoir genre tout un peu. Moi je découvre doucement hein. Donc je t'avoue que c'est pas j'ai beaucoup de trucs non découverts. Ouais. Stream avec un la coffre, c'est pas vrai, j'en ai eu. Bon, j'ai qu'un vrai coffre. Arrête. Voilà, je sais pas si tu vois ton truc non découvert, mais moi j'ai un peu des trucs non découverts.
VOD 2 heures, vas-y. Je vais à l'objectif. Mais on se perd trop dans ce jeu. Oh, la petite gazelle. Le... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il a, Bambi, là? Il s'est fait pousser des couilles. Il va bien se calmer, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis fait emmerder par un petit sixième, là. Mais ouf. Qui joue? Peut-être un peu trop farmé le jeu, car il me reste vraiment rien à faire. Ah ouais! Mais attends, il est sorti hier. Il est sorti même officiellement aujourd'hui, mais hier dans la nuit. Et t'as tout. Mais what the fuck? T'es un fou? Ah ouais, tu l'as peut-être eu en avance? Calme-toi, s'il te plaît. 22 heures de jeu. T'as fait 22 heures de jeu en 24 heures de journée? Ça fait des pauses, comment? Je fais l'objectif 2 secondes plus tard, la petite gazelle. Oui, alors ça, mais je fais ça à chaque fois. Le mortacé tient à rappeler à tous les marchands. Bon, c'est hier vers 16-17h. Oh, t'as dormi entre temps? Bah non, du coup, ça a commencé hier vers 16-17h. Si oui, si, t'as pu dormir un peu. T'as pas dû beaucoup dormir. Je sais pas ce que je fais. Ah oui, je vais là-bas. Je vais à l'objectif. J'ai un souci. J'ai envie de 4 à 8 heures. What the fuck? Oh, hé, oh! Moi, gars, ça. Ah punaise. Ah ouais, t'es quelqu'un qui... Est-ce que tu te définirais comme quelqu'un qui a tendance à un peu rusher ou pas? Ça explique pourquoi tu t'appelles Red Bull, j'avoue. Oui, c'est bien toi. Fou. Oh non, pas elle. Nihal. Oh pardon, Gweno. Je t'ai dit bonjour dans ma tête. Dis rien, il y a Sadiki. Je te promets, je t'ai dit bonjour dans ma tête au moins 2 fois. Toi. Comment tu vas? Oh, je suis désolée. J'étais persuadée de t'avoir dit bonjour. Moi aussi. Je suis désolée. Nous allons devoir nous accorder mutuellement audience. Mais avant, je dois savoir... Désolée, Gweno, comment tu vas? Tu vis-tu comme un paysan? Peut-être n'avons-nous pas besoin de parler, finalement. J'imagine assez bien ce qu'a dû être ta vie depuis notre séparation. Mais elle est méchante. Et toi? Elle nous a foutu dans une sauce. Si, j'espère. Pas vécu, non. Surtout travailler. Et à quoi donc? Oh, le téton. Je l'attendais énormément, bah voilà. Ok, d'accord. Ça. Parce que tu l'as déjà vu. Ça va, Gweno. On continue notre petit explo. Dans ses moindres détails. Et C'est tout ce temps à tâcher de comprendre ce symbole. Pourquoi? Parce que moi aussi, je l'ai déjà vu. J'ignore où et quand. De toute façon, je prends pas mal, hein, ça me fait rien. Mais je le sais. Non. Quoi oh qu'il non. puisse être, il m'appelle. J'entends le. J'entends l'ironie. Oh, mais bien sûr. Je suis désolée. Voir t'appelle. Non, mais meuf. Je garderai tout ça à l'esprit. Si cela te fait passer plus de temps en dehors de ces murs plutôt qu'à l'intérieur. Tu as vraiment une pensée pour chacun, n'est-ce pas, Basim? N'est-ce pas, meuf, Kassim? Et à l'origine du massacre d'enfants et qui n'a jamais montré une seule once. Ah, ça a craqué de remords. Maître Roshan prépare sûrement un plan pour le débusquer. Peut-être devrais-je m'intéresser à l'obsession de Nihal. Nihal. Nihal essaie de découvrir l'emplacement d'une salle secrète. Non, mais elle fait tellement partie de l'ordre, en vrai, je pense. Elle fait tellement partie de l'ordre, c'est sûr. Mais oui, ça va, petit Gweno. On a commencé le live en gênant des gens chiants qu'on a rencontrés aujourd'hui. On était plusieurs en avoir
cauchemar. Maintenant, ça va. 21h49 et 9 secondes pour faire presque 100%. Il me manque que 3 trucs. Je sais pas comment les débloquer. Ah ouais, je vais pas pouvoir t'aider. T'es trop rapide, mec. Enfin, en tout bien tout honneur, tu vois. Je vais arrêter la VOD. Bisous VOD. Parce que là, 2h06, ça va. Ciao, ciao.